C'est les mêmes impressions qui nous ont animés depuis l'obtention de notre récépissé définitif qui continue. Nous sommes fiers de pouvoir réaliser l'exploit, celui d'amener la jeunesse de notre pays à aller confirmer ce qu'elle pense de ce régime le 8 janvier prochain. Donc c'est la même fierté qui continue de nous animer. La meilleure position qui soit, c'est le 6. Et c'est un sentiment de joie qui m'anime et de reconnaissance envers Dieu. Parce que je vois à travers ceci un message que Dieu est en train de lancer au peuple béninois. Que Moël Bénin sera certainement la pierre angulaire. Alors je voudrais dire à nos militants de rester confiants et déterminés pour la marche sur le terrain. Nous restons sereins. Il y a un avantage parce que le chiffre 1, pour moi, c'est un chiffre porte-bonheur. Et vous savez, le 1 est facilement quantifiable. Le 1 est facile à identifier. Nous avons occupé une position, le BA a occupé une position facile d'explication. Très facile à expliquer dans toutes les langues. Et il suffit de dire le cheval à droite. Tout à fait en bas et le tour est joué. Mais encore, ça c'est une étape. La grande étape, c'est celle du terrain. C'est sur le terrain que le combat va se mener et puis nous avons bon espoir que au soir du 8 janvier 2023, le BA passera en première position parmi les partis.